Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo partenariat. Voilà, il y a quelques temps, j'avais été contactée par cette boutique, Cobeats. Voilà, Cobeats, oui, c'est ça. Et sur le coup, voilà, je savais pas trop. J'ai été faire un petit tour parce que je connaissais pas. Et en fait, il y a pas mal de petites choses qui m'ont plu. Alors j'ai décidé d'accepter le partenariat et de partager avec vous. Donc la boutique, c'est Cobeats. Et de toute façon, comme d'habitude, en barre de description, je mettrai les liens de la boutique, les liens de chaque article. Et il faut que je retourne regarder dans mes mails. Je ne me rappelle plus s'il y a un code ou pas de réduction. Et s'il y a un code de réduction, je vous le mettrai aussi en barre de description. Mais je suis pas certaine du coup. Parce qu'il y en a des fois dans les partenariats, quand un article vous intéresse et que vous cliquez sur le lien de l'article, et ben des fois vous avez un petit pourcentage, ça peut être 2%, enfin 3% ou des choses comme ça. Mais là je ne me rappelle pas. Mais je mettrai en barre de description s'il y a. Voilà. Donc on va découvrir ensemble parce que je dois vous avouer que ça fait déjà un moment que je ne me rappelle même plus. ce que j'ai commandé. Donc hop, je vais mettre ça comme ça. En tout cas, c'est super bien emballé. C'était dans comme ça, hein, mais comme il y a l'adresse partout, donc j'ai ouvert et parce que je ne me rappelais plus déjà de toute façon ce que c'était. C'est pour ça que j'avais commencé par ouvrir. Mais voilà, là, j'ai ouvert juste là. Après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Donc j'ai arrêté et je me suis dit que j'allais finir avec vous. Alors, on va voir le scotch. Parce qu'il y a du scotch partout. Oh, ça fait du bruit. Mais bon, bien obligé. Voilà. Donc là, ça tient, dis donc. Voilà. Après, il y en a encore là. Voilà. Et il y en a encore là. Voilà. Et donc, voilà, voilà. Je vais mettre de côté et je vais un peu. Oups, oh là 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 là. J'ai fait des bêtises. J'ai fait tomber des choses. Mais bon, c'est pas grave. Je ramasserai après. Alors. Je vais essayer de... Par contre, je ne me rappelle plus les prix, mais je vous mets tout en barre de description. Les liens, donc vous verrez le... Alors. Ça, c'est clair. C'est... Oh! Eh bien, dis donc, je suis trop contente. Alors, déjà, il y avait ça que j'ai commandé, que j'ai choisi. Voilà. Je pensais que c'était tout fin. Regardez, c'est du ruban avec des sequins. Il y en a un paquet. Hein. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je croyais que c'était plus... oui, mais je suis contente, au contraire, je suis très contente. Je voyais ça moins large. Magnifique, j'adore. Alors, je ne sais pas trop si dans une création, je pense que ça va le faire. Trop beau. Et je pense qu'on peut mettre aussi sur un... Oui, un vêtement ou quelque chose à... Un cou... Enfin, oui, un truc de déco, un coussin, des trucs comme ça. Mais moi, là, pour l'instant, ça va être pour le scrapbooking ou pour les albums. Un album sur le thème un peu romantique. Ouais. Donc, j'ai pris ça. Par contre, là, les bords comme ça, là, il y a plein de petits sequins, des bouts qui s'en vont. Hop, voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ces des bobines de... Alors,
Là, c'est de... Je sais pas trop. Ça fait comme de la queue de rat. J'ai pris en blanc et j'ai pris en rouge. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est bien emballé. Hein, parce que vous voyez, à chaque fois, c'est dans des sacs zippés. Hein. Là, et même le grand, c'est propre. Et donc, c'est de la queue de rat. Alors, enfin, moi, j'appelle... Je sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà, c'est des petits... Moi, je voulais ça comme ça. Je trouvais que c'était beau. Voilà, c'est du fil, en fait, hein, mais voilà. J'ai pris un fuchsia et j'ai pris le blanc. Même pour faire des paquets cadeaux, pour je sais pas, tout un tas de créations, je sais pas, ça m'a plu, j'ai commandé, je verrai bien, je vais trouver comment l'utiliser, ou pour les bijoux, pour les trucs comme ça, voilà. Donc, par contre, il n'y a pas le métrage, il n'y a pas marqué là, donc je ne sais pas. La grosseur, c'est marqué 0,8 mm. 0,8 mm, ouais, je sais pas. Ça fait ouais, je me rends pas compte, en fait. Je me rends pas compte. Et donc, voilà, c'est ça. Là, ensuite. Là, encore un sac comme ça, plein de petites choses. Encore un sac zippé. Alors là, je vais commencer par quoi? Alors, ces petits, j'ai fait venir ces petits sacs là. Alors, j'arrivais pas trop à voir la grandeur. Mais je voulais des petits sacs. Encore un sac zippé. Et c'est encore dans un autre sac. En tout cas, l'emballage, on ne peut pas dire que c'est mal emballé. Hein. J'ai trouvé que c'était super joli. Ces petits, regardez. Ces petits sachets pour quand on veut envoyer des petites choses aux copinettes. Et ben je trouve que c'est super sympa. La grandeur, ben, ça va. Hein, c'est pas. Je sais pas trop. Alors, ils font 7. 7 sur 7. Fermé, sinon ça fait 7 sur 10 ouvert. Limite, même pour y glisser sans fermer une ATC. En tout cas, je trouvais qu'ils étaient trop beaux avec les petites fleurs. Vous savez, mon amour pour les petites fleurs. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Je crois qu'il y a, je ne sais plus si c'est une cinquantaine, une centaine, je ne sais plus. Hop, je devrais remettre dedans. En train de le mettre à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des petits... encore des fleurs. Hein, parce que... Voilà, c'est des petites breloques. Hein. Là, c'est des petites fleurs et elles sont magnifiques. Elles sont, regardez, elles sont épaisses et regardez, même sur l'envers, elles sont bien dorées. J'espère que vous voyez bien. Et elles sont lourdes, enfin, oui, lourdes pour ce que c'est, franchement, trop, trop jolies. Pour faire des bijoux d'album, par exemple, hein. Ou si on veut faire des petits bijoux fantaisie, hein, en pendentif, hein, ou pour des breloques pour accrocher à un petit bracelet, un truc comme ça. Franchement, c'est trop beau. La qualité, elle est belle. Les couleurs, je trouve que c'est bien fait. Parce que des fois, il y a certaines breloques, elles sont un peu pas bien finies. Là, franchement, elles sont trop belles. Contente. Après, j'ai pris ceux-là que j'hésitais parce que j'avais peur que justement que la qualité elle soit que ce soit moche, parce que des fois, comme je vous dis, c'est pas toujours
Voilà, c'est tous les mêmes et franchement, ils sont magnifiques. Regardez. C'est tous les mêmes par contre. Hein. Hop, regardez. Comment c'est magnifique. Et derrière, c'est bien fait, c'est propre. Hein. Hop, regardez. Et il y en a plein. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas du tout excessif. Hein, parce que moi, j'ai pris tout ça là. Enfin, vous n'avez pas tout vu encore. Et il me semble que ça devait faire dans moins de 30 dollars. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'était moins de 30, tout ça, c'était moins de 30 dollars. Alors après, j'ai pris ça. J'avais bien mon amour pour les rubans, alors. Hein. Encore un sachet avec zip. Et regardez la beauté de ces rubans. Alors, je vais essayer. Voilà. Regardez. C'est magnifique. Ça fait comme un peu de la toile... pas de la toile de jus, parce que c'est... non, comment on appelle ça ça vient pas le nom... comme du lin, un peu, voyez. Ça fait trop joli. Et ça brille légèrement, en fait. Entre les papillons et les fleurs, ça brille légèrement. Hop, j'ai essayé de mettre comme ça, mais j'ai peur de quand je suis trop, trop haute, que vous, qu'en fait, vous voyez pas. Voilà. Des fois, à plat, on voit aussi bien. Parce que... Regardez, avec le craft, comment ça ressort bien. Il est magnifique. Hop. Superbe. Donc là... Ensuite... j'ai commandé, enfin j'ai fait venir une autre pince, voilà, pour avoir deux pinces, voilà, les petites pinces comme ça là, qui sont très pointues, que je trouve vraiment, comment dire, hyper pratique, je vois, pour quand on veut attraper des petites choses, même pour les demi-perles, les demi-strass, ou quand on veut positionner quelque chose de petit. J'utilise beaucoup, comme vous savez, j'utilise beaucoup les stylets, comme pour le diamond painting. Mais depuis que j'ai la pince, l'autre pince, parce que hop, j'avais l'autre, c'est pas de chez eux, hein, mais voilà, j'avais celle-ci que j'avais eu lors d'un partenariat aussi. Et ben, je trouve ça tellement pratique que du coup, je me suis pris donc une deuxième. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça parce que. Oh, c'est trop beau. Oh là là, ce qu'il y a après, c'est trop beau. Alors, du coup, j'ai pris cet outil-là. Voilà. Ça, pour faire des petits trous. Alors, je sais pas pourquoi ça existe. Pourquoi c'est vraiment. Si c'est pour... Je pense que c'est peut-être pour quand on fait des bijoux, des choses comme ça. Hein. Mais moi, j'ai pris parce que des fois, quand je veux faire un trou... Pour, voilà, pour mettre un bras, soit un truc comme ça, et ben j'avais que les autres là en métal, et voilà, j'avais que ceux-là comme ça, et ça c'est fin, ça c'est beaucoup plus épais, regardez, quand on fait les trous, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, et du coup j'ai pris ça donc. Et pour finir, alors là, je me suis fait plaisir. Alors, j'espère que ça coupe bien. Attends, regardez comme il est beau ce ciseau. Il est trop, trop beau. J'adore. Voilà. Alors, j'espère qu'il coupe bien. Voilà, pour l'instant, ça coupe super bien. Il est, regardez comme, le bout, comment il est. Et le manche, moi, c'est là, comme ça, c'est tout travaillé. J'adore. Voilà, je le trouve trop beau. Et pour prendre dans les mains, je trouve que, voilà,
Ça fait... quand on a mal aux mains, voilà, je pense que c'est un peu comme celui-là, en fait. Moi, je voulais dès qu'il... comme ça, parce qu'il y a des fois, j'ai mal aux mains et avec les autres pour couper, des fois, je suis un petit peu embêtée. Donc, voilà. Et c'est super joli. Je sais pas, c'est quoi qu'il y a comme... ici, c'est un pan. Et ici, je sais pas, un dragon. Ouais, peut-être un dragon. Mais c'est magnifique. Et donc, voilà, c'est mon... voilà, ce que j'ai choisi lors de mon partenariat. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Voilà. Comment dire ça? Des fois, quand on fait des... enfin, quand on fait des partenariats comme ça, bon, des fois, on choisit des choses. On profite pour prendre des trucs qu'on n'a pas vraiment. Et des fois aussi, on profite pour tester des choses, hein. Et là, franchement, je suis hyper contente de ce partenariat-là parce que vraiment, c'est de très belle qualité. Les rubans, vous savez comment j'adore les rubans. Donc, vous savez que j'ai l'habitude d'en acheter. Et ben, franchement, il est trop beau, le ruban. Là, ça, c'est pareil. Les fils, j'adore. Voilà. J'en ai que j'ai déjà acheté d'autres. Et en comparaison, bah, il est super bien aussi. Ils sont très bien. Sachant que les autres, je les avais quand même payés à un certain prix. Ça, je suis contente. Voilà. La seule chose, c'est que peut-être... comment dire, il n'y a pas de point raie, vous savez, dans les côtés. Donc, je pense que c'est comme si on avait coupé des bandes de tissu. Voilà. Et d'où le fait que quand on déroule, et ben forcément, là sur les bords, quand il y a des demi-sequins qui ont été coupés, ben c'est ça. En fait, on en a un peu partout. Mais je pense que ça peut être, une fois qu'on l'applique, qu'on le colle, après, ça, ceux qui sont à l'intérieur là, ceux-là, ils ne bougent pas. C'est juste des petits morceaux là, comme ça, du bord. Et c'est vrai que si c'était on a arrêté là et là, ben ça ne le ferait pas. Mais bon. Ce ne serait pas le même prix non plus. Hein. Voilà. Du coup, mais c'est très joli. Je ne regrette pas du tout. La couleur, elle est trop belle. Vous voyez les petits morceaux qui tombent. Mais c'est ça, c'est les bords là. Alors, n'en parlons pas des petits sachets. Ils sont de toute beauté. Franchement, trop, trop contente. Alors, ça là, franchement, c'est trop beau. Et alors, les ciseaux, ils sont lourds. Non, ils sont vraiment, je ne sais pas, à la longue. Mais là, franchement, ils sont vraiment trop bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Donc, comme je vous ai dit au départ, je mettrai en barre de description tous les liens pour chaque article. Je vais vérifier s'il y a des codes promo ou pas, parce que pour dire franchement, je ne me rappelle pas, parce que ces derniers temps, j'avais eu plusieurs propositions de partenariat. Il y en a que j'ai refusé parce que les frais de port, hein, il y en a un, il y avait 23 frais de port. Vous commandiez pour 10 euros et vous aviez 23 euros de frais de port. Autant vous dire que j'ai refusé le partenariat. Je voyais aucun intérêt à ce genre de partenariat. Et voilà, je... Et du coup, voilà, dans chacun, il y a des propositions, en fait, hein, voilà, et celui-là, je dois avouer, je viens de le recevoir, comme j'ai voulu faire la vidéo tout de suite, j'ai pas pris le temps d'aller fouiner dans ma boîte mail pour aller voir les mails qu'ils m'ont envoyés. Mais je vous dis, ce sera en barre de description. S'il n'y a pas de code en barre de description, c'est que j'ai pas eu de code, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites choses-là vous ont plu.
que ça vous donne envie d'aller découvrir cette boutique-là. Hein. Vous n'êtes pas obligé de commander. Hein. Mais voilà, ils ont franchement, ils ont plein de jolies choses et à des prix vraiment pas excessifs. Là, moi, j'ai choisi ça, mais en fait, il y avait plein d'autres choses qui me plaisaient. Voilà, au début, j'avais rempli, j'avais mis je ne sais combien d'articles, mais bon, après, il y a la somme. Hein, qui, on peut, c'est pourtant. Et donc, j'ai dû enlever pas mal de choses, mais il y a des choses magnifiques. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas en partant mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous.